Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Aujourd'hui, on est à proximité du circuit des 24 heures du Mans pour un événement dans l'événement. Cet événement, c'est la présentation en première mondiale de la toute nouvelle Alpine A290. On va en faire le tour, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Ça va faire rêver plus d'un petit garçon. Alors vous le voyez, l'Alpine A290 a été présentée en trois finitions. Une finition gris mat, qui est pour ma part super belle. Alors vous découvrez les proportions de la voiture. Alors vous voyez, on retrouve les rappels Alpine, hein, petit drapeau. On retrouve l'arrière de la R5 électrique, bien sûr, hein, que vous avez déjà découvert, ce qui change. C'est ça, c'est le patronyme Alpine avec des finitions, vous verrez, un petit peu différentes. Ici, une A290 GTS, okay, donc, qui est une des premières versions. Mais vous le voyez, qui est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Donc, elle va être présentée à 220 chevaux. Hop. Donc, vous voyez, elle est aussi... On la retrouve dans le bleu alpine. On découvrira l'intérieur un peu plus tard. Vous voyez, hop, la particularité, donc, on retrouve les feux avant avec le rappel de la 110 qui avait les feux ronds. Ici, vous le constatez, les feux sont carrés avec la fameuse croix qui rappelle les éléments des véhicules en rallye. Toujours le rappel du petit drapeau ici, avec le petit coq qui prouve que la voiture est faite en France. Vous voyez, elle est géniale. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc vous le voyez, avec un rappel Alpine cuir, le logo. L'intérieur, ben, qu'on commence à connaître, de chez Renault, hein, bien sûr. Vous avez le volant qui est repris de l'Alpine, avec la particularité, c'est ces boutons qui vont permettre de booster la voiture. Un intérieur qui est très sympa, avec des sièges qui reprennent le petit logo A290, perforé. Non, vraiment très très belle. L'appui, la coudoir, vous le voyez, qui est ciblée à 290. La console ici, bah, qui rappelle justement les éléments qui sont ceux de l'Alpine A110. Voilà. La troisième version, c'est la version qui est la plus proche du concept qui nous avait été présenté. Vous le voyez dans sa couleur blanc nacré avec les rappels bleu, blanc, rouge. Le liseré sur le toit. Elle est très très belle, vous le voyez, avec le renfort galbé des ailes. Pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette A290, à votre avis, va devenir un standard de la sportivité, un nouveau standard de la sportivité? Moi, personnellement, je le crois, puisque c'est la première d'une nouvelle lignée chez Alpine. Et franchement, je la trouve ludique,
belle et avec en même temps ce côté rageur. Alors, elle est proposée avec une motorisation de 220 chevaux, donc en 100% électrique, pour un poids de 1790 kg. Autant dire qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout lourde, hein, et que sa puissance est immédiate. Donc, on fera plus en détail un élément. Là, on se contente de vous montrer les éléments de design, puisque on est sur une présentation statique en première mondiale. Donc, ça vous permet aussi de voir et de découvrir en avant-première aussi cette Alpine A290. Et une dernière version avec un côté, côté déco qui est très, très sympa. On retrouve, vous le voyez, des jantes en forme de flocons de neige qui rappellent un peu le côté alpin de cette A290 avec des roues en 19 pouces. Donc vous le voyez, qui se marie très bien avec les lignes de la voiture. Vous avez un intérieur, bah vous le voyez depuis l'arrière, qui est splendide. Voilà, un aperçu général de l'intérieur de cette Alpine A290, comme je vous le montrais tout à l'heure, avec toute la console centrale qui rappelle l'Alpine A110, sa petite sœur, le volant de la 110 et les intérieurs des nouvelles Renault. Moi je dis pari gagnant. On en reparlera, mais je pense que cette voiture va également être un carton commercial. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu arrives à l'aire d'autoroute, tu penches, tu vas marcher un peu, tu vas prendre un coca, un café, tu vas aux toilettes et tu reviens et tu as récupéré. C'est tout bon. Après, c'est à toi de. Voilà, soit tu sais où tu arrives, tu vas dans un autoroute. Vous voyez ici le volant en gros plan avec le fameux bouton push et l'overdrive. Et vous avez le moteur, le volant, pardon, de nos pilotes de F1. In Francia, ma la scommessa riguarda tutta l'Europa. Riusciremo a vendere auto elettriche compatte e si impongano nel futuro di cerimonia. Donc vous le voyez, cette arrière très racée avec ses ailes très galbées. Donc ici en version GTS. Donc on retrouve effectivement les feux et les petits rappels comme sur la R5 électrique. Mais vous le voyez que le travail au niveau des ailes a été considérable. Au niveau du design avec des élargisseurs. Ces espèces de renfoncements qui rappellent également les ouïes d'ouverture des R5 Turbo 2. Bicolore, superbe, superbe, superbe. Écoutez, j'espère que cette petite présentation de la nouvelle Alpine A290 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un prochain essai sur GT Passion. Ciao.